Bon, moi, je vous attends pas. Waouh. On attend que les pneus mousses, ils s'usinent au bon angle. Ah, mais ça va, elle va tout droit. Ah, mais ça suffit avec le pignon plus petit. Je crois que j'avais abusé avec l'autre en fait. C'est un peu trop brutal. Mais après, il y a des circuits, tu vois, comme le MVHS à Strasbourg, là-bas, ouais. La ligne droite, elle est waouh! J'ai juste vu sur Mars, quoi, vite fait, mais c'est vrai qu'elle a l'air. Ah, t'as le temps de... à 90 à l'heure, t'as le temps de compter jusqu'à 3. Ah, ouais. Enfin, entre le temps de sortir du virage, accélérer à fond et freiner, quoi. Ouais. T'as même à 90, t'as l'impression que t'avances pas spécialement vite. Par contre, 110, 120, elle est rigolote, la ligne droite. Ouais. Ouais, vas-y, cool. J'adore le bruit. En tout cas, ça tient bien. T'as vu, Arma, maintenant, ils ont fait l'infraction 3S. Ouais, en avec les bar stab et tout, là. Mais ça sert à quoi? Les pneus taille unique qui valent 25 ou 30 balles la paire, qui sont pas bons et qui tiennent pas dans le temps, le moteur 3S qui va chauffer d'onf, et le tout, c'est le prix. Elle est plus chère qu'une GT8. Tu peux acheter une Obao en 6S à ce prix là c'est débile, hein. Bah là, je vois pas l'intérêt, quoi. Carrosserie taille unique, donc t'es coincé chez eux. Roue taille unique, t'es coincé chez eux. Le moteur en 3S, il chauffe, moi j'avais testé, là c'était l'hiver, on a déjà réussi à le faire cuire. Il y en a déjà un direct sur la vidéo, il a demandé si, on peut, si les différentiels ils tiennent 6S. Ah, il y a du wind. Allez, j'arrive. Il a pas l'habitude des nouvelles barques. Ça tient bien quand même. Bah oui, t'as le nez qui décroche pas aussi vite là. Comme t'as eu peur. je t'ai soufflé. Ouais, bah là on est bien. Voilà, j'ai remis en 4 parce que au début j'avais en 6, mais. Attention, ça suffit en 4. Sur la piste, j'ai un. Ouais. C'est qui? Ah, il est où ma petite jambe préférée? Ah, je l'ai loupé en plus. T'as chance que j'avais pas le X-Max. Ah, encore, hein. Chaque fois que je m'approche de ton tulle, chaque fois il décroche. Oh. Ah, Hartung, la souffleuse. Ah, c'est la souffleuse. On a mis trop d'herbe sur le circuit. Il aime pas ça. Vas-y, t'as filmé ça. Vas-y, je suis prêt. C'est le refroidisseur de cacahuètes. Attention, Claude sur la piste. Pour ralentir à sa hauteur, hein. Il est pas tout jeune, il a plus de réflexes. Il va me tuer quand il verra la vidéo. Mais c'est comme les condensateurs, tu sais, j'ai bien dit, ouais, c'est n'importe quoi les condensateurs là. Si l'autre il va me choper, tu vois.
bien, il refroidit Mario à chaque fois. Ouais. C'est silence, c'est aveugle. Ah, j'adore. Pas mal hein, pour une machine qui est en bricolage provisoire. Pourquoi tu t'arrêtes? Vas-y, avance. C'est bon. Ah, il a tout à droite. Vous faites une partout, vous m'appelez même pas les gars. Ah non. Si t'es une partout, c'est interdit aux voitures françaises. Il y avait une belle italienne. Une anglaise. Et une taïwanaise. Françaises sont trop rigides. Ralentissez quand il y a Claude. Hein. M'abîmez pas mon Claude hein. Puis j'entends ralentir quand il y a Claude, merde. Vous allez pas me le rayer hein. C'est un vintage hein. Ouais. Ah ça ouais, il a des vintage en nitro là, il tartine. Hein. Après ce qui est bien avec les vintage nitro, c'est qu'il tartine 5 minutes, après c'est fini. Ça va Seb, la BMT roule bien. Alors si quelqu'un, j'ai un moteur de secours, un cerveau de secours et un récepteur de secours avec au cas où. Encore un des 74 ans du moteur. Ah ouais. Ça va. Merde, tu es en plus d'herbe. Ouais, fais gaffe. Je lui dirais tout à l'heure, t'en as oublié là-bas, hein. Je sais pas comment tu bosses, mais... Ah bah après, il faudra qu'on décampe. Hein. C'est peut-être plus prudent de se mettre devant sur la route d'abord. Démarrer la voiture aussi. Ah lui c'est un pistard hein, c'est pas un rallye gameux. Ouais. Ouais, moi je suis un rallye gameux. L'herbe fait partie de la piste. C'est la prolongation. Ouais. À cause du crash tout à l'heure, je pense. En fait, on est beaucoup plus sage quand il y a Claude au milieu. Hein. C'est beaucoup mieux, t'as vu? Tout le monde est concentré. On va le laisser là. On va le laisser là-bas, Claude. Attends, moi, j'attends que lui se fatigue un peu là-bas. Il m'a trop vite pour moi, lui. Regarde ça. Attends, là, il est froid. Hein. Attends que Claude, il va démarrer tout à l'heure. Bah, généralement, quand lui, il roule, je m'arrête sur le côté. Ouais, non, quand Claude, il roule.
Non, quand c'est un biroule, faut pas s'arrêter sur le côté. Ah bah moi, je m'arrête, j'ai pas envie de me faire tout le long. Il est énervé de la gâchette. Ah ouais. Voilà, Nani, attention. Il y a le pace car au milieu. La différence après, c'est comme dans Jour de tonnerre. Mon style, ton style. Lui bouffe des pneus et moi pas. Ah ouais, 2800 kV avec le capteur et tout. Mode. Mais quand ils prennent, ça s'entend quand avec c'est dans l'ABS. Avec le mode urbo, le, ouais, tout ce qu'il faut. Mais il a pas encore tout réglé là. C'est le temps qu'il découvre un peu tout là. Ah, tu découvres là, tu vas me dire. Oui. Ah. Là, il a pas encore attaqué les réglages électroniques là. Ah. Ralenti, hein, Claude. Moi je ralentis quand je le vois à l'autre. Ouais. Aucun respect des anciens. Même pas. 6-8 minutes, la batterie elle est à 60 degrés des boîtes. Voilà. T'es où? En plein air, mais il y a Manu qui arrive. Franchement, si tu me trouvais, t'as pas vu pas de droite, non? Non, non, là on est à 75. 70, 75 par là. Je suis plus silencieux quand il arrive ça. Pouette, pouette. Ah, on peut profiter du silence de la BMT. Oh 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 oh. Le vent il s'est engouffré dedans, j'ai l'impression. Ouais, c'est crabouille devant. Hein. Ouais, faudrait couper un peu plus. Bon, il y a un petit moment. Ah, j'ai de quoi couper avec quand même. On va augmenter un peu la taille des passages de roues. Ouais, ouais. Oh, 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 oh. C'était quoi ça? Écoute, je sais pas, ah. J'ai un petit problème, je crois. T'as la... Attends, cherche pas, t'as une radio connect. Ouais. Ah ouais, mais laisse... mets cette merde à la poubelle. C'est ce qui t'a mis dedans avant aussi. En fait, j'ai pas tilté. T'as une perte radio là-bas au bout. À cause de la distance. Mais oui. C'est des interférences. Non, c'est des interférences, ça connecte. Ça, c'est des radios Goulers, c'est pas cher là. Qu'ils ont vendu avec les bagnoles, c'est des grosses merdes. KT2S plus KT Macaca. Ouais, ouais. ouais, KT la voiture. KT la voiture. Non, après, c'est bien justement la X0 avec la BMT et puis là au bas, là. Et Claude. Et tout, je suis loin de la maîtriser comme ça. Je vais faire une sortie pépère sur la bande d'arrêt d'urgence. Ah. Pousse-toi. Je t'aurai même dans l'herbe. Oh, oh, oh. Comme il s'est enlevé, il a bien joué là.
Avec le vent, hein. Le vent et les sorkers, ça fait pas un bon ménage. Ça finit toujours à les boulets. J'ai pas compris mais bon. Mais il se fait allumer non-stop quoi. Ils sont rangés. Bah marche à côté. Il est fou lui. Tu connais le chemin le plus droit entre deux points, ça a toujours été la... C'est l'autoroute. Le chemin le plus court, c'est l'autoroute. Tu vois, c'est toujours comme ça que je l'ai, à l'usure. Ouais, c'est ça. Mais la pression après 5 qui se vaut tout seul. Même pas besoin de l'aider. Bah tu vois, c'est débile, deux dents en moins sur le pignon et c'est génial. Parce qu'avec les deux dents en plus, 5-6 minutes, j'avais une coupure température. Ah ouais. Moi j'adore ça. Zzz. Silencieux. Zzz. Et là-dedans, j'ai un moteur qui a une vingtaine d'années. Hein. C'est un Xeron. Un capteur en cours de 1200 km. Non, j'ai bien vu, il a bien entendu, il a visé et là il a mis plein gaz. Je ferai le ralenti. Hein, c'est bouné. Ouais, mais le Senton, tu sais pas trop où il va en fait. Tu vois. C'est pour ça que moi j'ai attendu. Je me suis dit, c'est bon, ils vont se toucher, je vais passer. Je t'ai attendu là. Attention le citron jaune. Après, on va laisser rouler Claude. On va tout sortir parce que... Ouais, non, on fait des manches comme ça. Lui, généralement, il attend, c'est qu'on ait fini la batterie, après il fait la sienne. Moi, après, quand je roule avec lui, je me mets sur le côté quand il me double, je crois, tu vois. Oui, enfin, avec tout le monde. Hein. Avec Vince et Loïc et Claude et Jean-Pascal, tu t'enlèves. Jean-Mi aussi. Jean-Mi, lui, il a des pancars. C'est un 10, un 8 là. Il y a des petits missiles et des Formule 1 aussi. Coupure! Ah, ça y est, Claude est sorti, attention. Ah bah là. Bien, alors on est où au niveau pneumousse? Bah ils sont tièdes, l'usure est pas mal. Je vais corriger un petit peu le train arrière là, je bouffe un peu en biseau, là ils sont droits. Niveau moteur, t'as vu deux dents en moins sur le pignon? Moteur sans ventilo, sans rien, 65-70. Ah ouais, ça va pas chaud. Vario à 50, alors que lui il coupait au bout de 6 minutes, hein, souviens les autres fois. Ouais. Bon, après il fait pas chaud comme la dernière fois. Et la lipo, elle est quand même montée à 50, et les brouettes. Hein. Mais là je suis content. Elle est silencieuse, elle va bien. Attends, je vais vite voir les températures chez Seb. Bougez pas. Alors, et Sally? Au niveau chauffe, on est bon là. Je mets les mains dessus donc. Ouais, tranquille. Hein. Ouais, on est bon. Ouais, regarde la batterie, 32-40. 40, ouais. Fais gaffe à l'étiquette là où ça brille, il me donne des températures débiles. Vario, pareil. Ouais, puis le moteur 40-35. Un peu plus frais. Moteur dans les 50, on est cool, tu vois. Ouais, 55-60, hein, mon maxi. Après, j'ai pas roulé longtemps. Hein. Ok. Ouais, mais là, t'as fait une. T'as dû... Ah non, t'as pas fait 10 minutes, t'as commencé non, avant, non, après ouais, moi. 40 les pneus, tu vois, zone de confort là. Tu le sens, hein, de toute façon, là, ouais, il colle un peu, ouais. Mais pas trop. Tu baisses des formes, là. Oui, ceux-là, ils commencent à être au bout. Ceux-là, hein. Ils ont plus de 20 paquins déjà. Ouais. Ah, c'est cool. Franchement, ils tiennent bien. Oh, belle. Oh là là. Elle est belle.